Oui, je sais, il faudrait que je trouve de la musique libre de droit pour faire les intros de The Big Gamowski, mais je vous avoue que des fois j'ai la flemme de chercher tout simplement. Et puis, épuisé de ne pas pouvoir passer tant de merveilleux morceaux que je pourrais vous partager dans mes playlists pour cause de robots copyright complètement cons, en fait, je préfère mieux faire des intros à la bouche, c'est beaucoup plus simple. La prochaine fois, je pense que je vais vous faire un peu de claquettes en intro. En tout cas, merci d'être là à nouveau et on va se faire tout de suite un petit shmup, parce que je sens que comme moi, vous êtes chaud. On va retourner dans les années 1990, dans les séries de ces jeux qui n'ont pas eu trop de succès et dont on a très peu entendu parler. Et donc, RDL en fait partie, s'il veut bien s'afficher. Et comme d'habitude, je vais devoir reset le système. Oh yeah! Fuck yeah! Hop, un petit escape, si ça veut bien marcher. On se casse de ce con de jeu. Je meuble à la voix, comme d'habitude, parce que je suis là pour ça. Et on y retourne dès que monsieur veut bien être prêt, quoi. Alors, bim, bim, bam. Alors, on va faire autrement. Bim, bam, boum. Lançage. Double salto, pirouette, inversé. Je crois que c'est un retournement, ça, non? Il me faudra un spécialiste du catch, en fait, pour pouvoir me préciser si je suis dans l'erreur ou pas. Je crois que c'est un retournement, mais on va regarder ça avec les images, ce sera beaucoup mieux. Bazinga! Donc, nous voilà enfin dans AirDuel après ce long meublage artificiel dont vous avez l'habitude. Nous nous situons dans le futur, c'est-à-dire en 2004. Oui, c'est un jeu de 1990. Un peu de tolérance, mes amis. Regardez-moi ça. Akira! Putain! Ça fout les foies! Alors moi, je dis, avec une intro pareille, je prépare mon sac de pièces. Parce que je fais, bah, la satise. La petite démo, en plus, qui va bien. Alors, on a le choix entre un avion et un hélico. Sachant que l'avion, bah, c'est un avion au tir droit, et l'hélico, lui, vous procure la sensation d'être bourré vu que vous pouvez tirer en travers. De là à savoir si on peut bloquer la direction en gardant le tir appuyé, c'est une chose que je ne ferai pas puisque moi, je ne suis pas prétentieux. Moi, je ne suis pas le roi des cieux. Je vais donc prendre l'avion. Mais des sous, allez. Allez, un petit avion. Alors, le bruitage, c'est pas un assez. Et je serais totalement d'accord avec vous. Là, la fréquence de tir aussi, c'est pas la panacée. Et là, vous serez d'accord avec moi à votre tour. Alors, pour l'instant, c'est gentil que c'est du clone. Donc, on va pas lui demander de réinventer des trucs qui ne se réinventent pas. Le petit bonus laissé par certains ennemis. Les thèmes qui sont relativement récurrents entre les tanks, les lasers, les tourelles, les ennemis volants en face. Ça va pour l'instant, c'est pas un gros flood, ça gère. En plus, ça arrive dans un ordre qui défierait les lois mathématiques les plus élémentaires. Donc j'avoue que j'ai pas trop de gym de cerveau à faire pour arriver à me trouver un passage dans ces nuées de boulettes! Comment ça, y a pas de boulettes? Si, si, regardez bien. Là, il y en a deux. Une demi-cile en même temps. Je suis floodé. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Regardez-moi ça. Ils envoient des tanks en même temps que des petits freins. Ah oui, je l'admets. Apparemment, pour l'instant, je ne sais pas si c'est propre au premier niveau, mais le jeu est très facile. Vous voyez bien que j'expérimente de nombreuses difficultés pour garder le cap et le contrôle et ne pas me faire submerger par le flot ininterrompu de ces quatre boulettes à la suite, comme dirait Julien Lepers. En plus, avec un petit peu d'ordre dans la façon de dégommer les ennemis, je crois qu'il y a moyen de jamais se faire flotter l'écran. Ce qui rend le jeu encore plus facile. Oh, donne-moi un menu, ça fait bien. Et je n'ai pas encore essayé ma super bombe, me direz-vous. Vous avez totalement raison. J'espère qu'il me stoppe tout, qu'il ne limite pas à 3 ou 5. Histoire que j'arrive devant le boss du niveau que j'espère. Sous mes meilleurs atouts. Ah, que seraient les schmups sans la technique du Zig et du Zag. Et oui, si ça arrive d'un côté, ça arrivera forcément après de l'autre.
Le truc est super bien réalisé, hein, ça va. Mais voilà. On reste dans le thème de la copie de copie de copie de copie fade. Il y a des efforts sur l'habillage, c'est sympa. Voilà. Il y a des idées, il y a des petits chats qui sont lâchés en bas pour des saloperies. Ça nous fout pas mal de bordel. Mais bon. Ça va peut-être pas en faire un gros jeu pour autant. Hein. D'autant que cette nuée de chars qui vous lâche dans la gueule donne l'impression de jamais toucher le gros char, qui, vu sa taille, est quand même relativement inévitable. Ça, c'est rigolo. Je pense qu'on va valider ce jeu, il mérite pas de. En plus, on peut choisir de niveau selon. Pardon, après chaque niveau, on peut choisir son véhicule, ce qui est pas con. C'est pas qu'on se lasse de loin, donc c'est plus pratique de passer de loin. Donc vous voyez que ce jeu mérite pas du tout la vieille malle grenier. Il lui faut une meilleure place parce que pour l'instant c'est jouable. Même si ça commence à devenir un poil tendu avec mon tir de merde qui ne couvre rien de l'écran. Un bonus, monsieur, monsieur, oui, 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 ce qu'il y a là-dedans, je le veux. Moi je te paye. Oui, il faut la bombe, c'est ça le bâtiment. Un petit poil mieux, j'aimerais bien la version Just Up, Level Up, EM. Juste un petit poil, pour me faire plaisir. Je sais que tu peux faire. Entends-moi, Dieu de la boulette, sois avec moi. Fais-moi. Alors, ouais, ce qui est dommage, c'est le tir qui est vraiment poussif dès qu'on paume tout l'armement, quoi. On est là, on fait. On sent l'effort, quoi. Je devrais même pas être obligé de faire ça dans le micro. Donne-moi ça, putain, mais je voulais pas une bombe, je voulais un tir. Alors, je me rappelle plus la date qui était inscrite au début du stream. 96. Si c'est du 96, oui, c'est des gens qui ont raté l'ascenseur et des opportunités de faire un truc amusant. C'est pas vicieux ça! Allez, on se passe le boss pour la fierté. Surtout qu'il n'était pas vraiment le boss, le petit salopard! Le bonus qu'on a cru ne jamais avoir. Alors, on va discuter un peu, les gars. Boum. On va peut-être discuter demain, les filles. Ouais, non, je me suis rappelé d'un rendez-vous, en fait. C'est ça, Mathis. Effectivement. Tu meurs, toi? Non, tu meurs. Ton frère, peut-être. C'est pas très glam. Donc si vous le gardez sous la main pour le rejouer de temps en temps, évitez de le mettre sur le dessus de la pile. Vous avez compris ce à quoi je voulais en venir. On va s'essayer les micros quand même pour voir la différence. Ah, donc là je suis en mode tir bourré. Ce que je disais au début du stream, c'est prier pour que si je garde appuyé le tir, il garde la combinaison. Non, il s'en fout. Ok. Je continue là parce que je crois pas qu'on peut appeler ça avoir eu le temps d'essayer l'hélico. Merci de me l'accorder. Moi je pense que c'est le mode spécial de bruit dans le jeu. Genre quand vous avez commencé à faire la soirée sur le jeu avec des potes et que l'heure s'est mise à avancer soudainement pour passer de 19h30 à 23h. Je pense que c'est là que ce jeu. Cet hélico sera particulièrement efficace pour vous. Parce que je vous garantis que pour l'instant, je ne vise absolument rien. Parce que j'ai déjà assez d'emmerdement à essayer de me faufiler dans les boules, entre les boulettes.
Et du coup, c'est un poil pénible. Alors ça, c'est des avantages, mais ils sont quand même vachement restreints par rapport aux défauts que ça amène. Donc on se passera volontiers de l'hélico, qu'on va dire réservé aux spécialistes. Oh, même pas un escort. Donc, contre toute attente, ce Air Duel de 1990, eh oui, est validé. C'est assez amusant à parcourir. Maintenant, de là, on va faire un titre régulier sur lequel on remet les pattes. C'est une question de goût, on va dire. Mais ça en reste néanmoins un jeu praticable et bon dans la moyenne. Sur ce, on se retrouve demain, 19h, même canal, sur le Twitter si vous voulez bien, The Big Gamoski tout attaché avec l'arrobas devant. Et demain, je pense qu'on va se faire encore un shmup, parce que là, je suis chaud et je vais arriver sur des choses assez atypiques, normalement, puisqu'on va avoir des clones parfaitement ratés. Hein, faut pas hésiter à utiliser le bon terme. Alors, priez pour moi. Je suis pas pressé de tomber dessus, j'aimerais bien de bons jeux de temps en temps. Si, c'est toujours apprécié un bon jeu, je le rappelle. Mais enfin, bon. Des bisous. Ciao.